Maglultia, mesdames et messieurs, là c'est la malédiction du lobby. Je crois que les lobbies ça change rien. C'est tellement horrible. Bon, c'est pas grave. C'est la quatrième game, donc c'est la dernière game. Donc de toute façon, après ça va re-lobby forcément. Oui, après on change de map, donc on re-lobby. Mais en effet, du coup, deux fois les mêmes imposteurs. Est-ce qu'on aurait un double. Kamada Katama Sakoko! Terrible. Lucia n'était pas là! Oh là là, je suis pas complice. Là, il va faire. Il a buté devant moi! Non, non, je suis là. Il a buté devant moi! Il fait Je l'ai vu aussi. Loclier vient de tuer Jill sous nos yeux. Je pensais que Ulti allait faire du coup. Il a buté devant moi. J'ai besoin d'expliquer ou pas? Vas-y, explique. Ok, prends la parole. Je l'ai brainette. Donc le réacteur il arrive. Tu vois, moi je suis nav. On est navigation avec Jill. Et Magla du coup qui arrive. Et Magla arrive. Elle se dit, bon, il y a le réacteur. Je pensais qu'Ulti allait double kill. Mais en fait, elle est partie en bas. Je fais genre, je pars. Et là, je reviens direct. Et là, paf! Elle se tue devant moi. Bon bah c'est l'impact. Oh my god, c'est terminé. Je venais d'arriver en navigation, il a buté devant moi et ensuite il la reporte et ensuite il dit attends, c'est Magla comme attends, il fait à chaque fois. Attendez, parce que Ultia et Magla votent en même temps. Attends, Ultia et Magla. Elle était à côté de moi. J'ai vu le sang, j'ai vu le corps tombé, je l'ai vu. Ok les gars, Magla est sûr, c'est sûr Magla. C'est ça, on peut voter Locke et si. Non, c'est complètement Locke. Il a buté devant. Pardon, vas-y. Laissez-moi parler. Vous pensez pas que là ce qui vient de se passer avec Ultia qui réagit après, sachant qu'elle a pas réagi direct et qu'elle a dit oh j'étais là juste après. Et toi, c'est pas comme si on pouvait prendre la parole facilement. En même temps, t'as vu comment dans tous les cas la game est gagnée en fait. Si on vote Locke, c'est pas lui, on a les deux derrière. Moi je vote là, ouais. Attends, oh, votez Magla le cas. Pourquoi? Mais t'as buté devant moi, Locke. Tu te fous de ma gueule. Si ça passe, Jelson. Mais vous savez quoi les gars, le pire c'est qu'en plus en enquêtant et en baitant et en arrivant sur un 50-50 en tant que crewmate, du coup tu perds les points parce que si t'en tues, tu perds les points de quête et tu perds les points de vote. Et si on te suit, ton coup les comptes tu derrière, tu perds aussi. En fait, en gros, trouver un cadavre sur un 50-50, c'est horrible. Ton crewmate te fait perdre des points. Ouais, c'est ça. C'est la pire situation. Après c'est ok, mais j'avoue que du coup, t'as même pas trop envie d'enquêter. Hein. Faut être comme Ponce. Mec, Ponce il a tout compris. Ponce en vrai, il va sûrement gagner parce que ton favori, Luty, va gagner parce qu'il est dans son monde, il fait chez personne, il fait ses quêtes. Tout le monde laisse tranquille, c'est fine. Bon, comment est-ce qu'elles vont pouvoir s'en sortir les rounds d'après? Parce que du coup, elles sont tellement suspectées en vrai, Alex. Bah, le problème, c'est que là, si elles font un double kill et qu'on trouve un double kill, bah ça va donner la clé. Donc, faut vraiment réussir à faire les kills un par un, je pense. Ou alors qu'on ne trouve plus jamais les cadavres. Hein, ça peut être aussi. Ils ont pas voté Magla là? Non, ils ont voté justement. Non, justement, ils ont pas tué les deux, tu vois. Mais ils ont pas un stand buzz, non, ils sont en rush les quêtes. Bah, ils veulent leur point de quête. Non, mais j'avoue, mais là, à la place de Locklear, je me tue quoi. Non, c'est terrible. En vrai, c'est un 50-50, ils en tuent qu'un, c'est dommage. Et encore une fois, ça ferme pas assez les portes. Bon, Trivia devrait mourir normalement maintenant, je pense. Oh oui, parfait, la Trivia. C'est un peu trop tard, il faut faire le kill rapidement, vraiment. Ouais, là, qu'est-ce qu'elle fait? Assez dur. Là, elle fait rien. Quel tue? Aïe. Elle a vu la vente, Magla. Okay. Magla a vu son vente. Oh, bien joué ça. Putain de merde. Ok. Je suis mort, elles inversent en position. Et Ultia est sorti derrière. Oh là là, est-ce que Ultia a pas été vu? C'est drôle. Le corps est à l'entrée d'admin. C'est drôle. Les gars, c'est. Ah, okay, il y a eu qu'un kill du coup. Il y a eu qu'un. Donc on en a eu un. Il y avait deux kills, sachant que c'est un mode de jeu où les gens rush. Oui, mais... on aurait eu les deux qui sont Magla Ultia. C'est dommage que l'une des deux ne soit pas morte, sinon ça nous aurait facilité la tâche. Oh. Désolé, hein, je prends pas personnellement, vraiment. Encore. Kamel, mon frère, tu trouves pas ça chelou ce qui vient de se passer quand même? Genre, moi en fait, le truc de Ultia qui parle après et qui dit oh, mais moi aussi. Étoile, s'il te plaît, quand c'est arrivé, Locklear a hurlé, Magla a hurlé, j'ai laissé hurler et j'ai parlé. Oui, voilà, bah tout. Mais oui, Étoile, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Mais du coup, ça servait à rien de moi aussi hurler. Vous voulez qu'on soit tous sourds? Tu sois un coquin.
Mais ah, j'avoue. Après, oh, allez, j'avais en fait, pas pensé à ça. Directement Ultia sur. Non mais j'ai pas. Non mais étoile, j'ai pas voté contre toi non plus. Ça serait gros quand même que tu fasses ça direct. Enfin, ça serait vachement gros. Non mais déjà de 1 c'est un 50-50. Donc pourquoi on vire pas Loclear et Magla? C'est une question que je vous pose. Mais j'ai rien fait. Non parce que c'est pas 50-50. Ultia avec toi qui l'a vu. Et puis il y a eu double champ. Il y a eu un cul en deux minutes. Tu forces un peu sur le délire. Bref. Bref, il y a Trivial entrée tête mine. Est-ce qu'il y a une. Étoile le coq. Moi je suis tout à gauche, moi je suis tout à gauche en train de faire les numéros là. Moi je suis dans, en haut de cafette là et j'étais sur la droite. Moi je suis à. J'arrivais à 4. Moi je suis à shield là. Attends, t'es en haut de cafette mais tu venais d'où avant Ponce? Moi j'étais sur la droite, j'ai passé. J'ai même fait les coms. J'ai même fait les coms et je suis remonté. Je pense que c'est MV peut-être qui. Ouais, MV c'était où? Non mais si c'est Loclear, c'est forcément pas Magla ni Ultia. Donc ça reste safe. Et bah Ponce, moi je suis beaucoup resté avec donc Non ouais. Vraiment moi je... Ouais, je peux vous dire mon profil. Qu'est-ce qu'on fait là? Que des doublés ou... Pareil. Bon, on a le stream des deux filles du coup. Aïe. Les lights sont off, ça finit pas le 50-50, y'a que Étoile qui le pousse, ça se passe mal hein. Bon, c'est pas grave, ça arrive, mais ça va être frustrant. S'il y a double kill et que ses reports attendent, enfin, s'il y a deux kills qui sont faits sur cooldown et que ses reports attendent, tout va bien. Par contre, bah, elles peuvent gagner sur ce round en fait. Enfin, elles peuvent gagner, elles peuvent simplement la faire deux kills chacun, fermer les portes, faire un kill navigation, faire un kill ailleurs. Donc là, qui est au niveau des lights pour l'instant, Ultia qui a une vue sur Étoile, il faudrait peut-être. Vas-y, oh Ultia, elle avait un vrai frikil. Oh Ultia, t'aurais dû le faire. Parce que là, si du coup, il faudrait fermer café derrière maintenant, mais du coup, il va se monter un petit peu Étoile. Et Domingo, ok, il y a Domingo et Ponce qui remontent, Ultia qui va être croisé par Domingo. Ok, non. Il va peut-être oublier avec les quêtes. Ah, ça va être chaud, hein. Étoile, faut qu'il rotate vers le bas. S'il rotate vers le haut, là, c'est chaud de ouf. Après, si personne ne passe, là, sur un double kill, c'est fini. Mais le truc, c'est que Magla, elle sait pas si elle cooldown du double kill ou pas. Du coup, elle hésite pour l'instant à kill. Et le cooldown, il arrive dans deux petites secondes, mesdames et messieurs. Ok, c'est bon, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Là, il faut faire un kill chacun et c'est fini. Ça devrait être bon. Le faire. Étoile a dû rotate par le bas. Ok, et le kill qui est fait. Un kill. Yes. Il faut faire le kill. Oh non. Oh, ils l'ont pas vu. Aïe. Oh non, c'est terrible. Non. Quoi? Oh, c'est Lucky! Oh non! C'est Magla et Ultia. Pourquoi? Catastrophique! Mais elle savait pas! Elle pouvait pas savoir que MV était mort. Je l'ai même pas vu, mec, j'étais en train de. J'avais un peu tilt. Non, parce que. J'étais un peu tilt que personne m'écoute, du coup j'étais en très. En gros, moi j'ai un doute. Attends, on va le faire rapidement. Moi au tout début j'ai eu un doute, j'avoue, Kamel, parce que au tout début. Moi j'ai voté Locke, j'ai voté Magla. On est allé Electrical. Et c'est vrai qu'Electrical, t'étais déjà là, j'étais en mode skill event ou un truc comme ça. Depuis, il y a le truc Ultia Magla machin. Je pensais que c'était MV, mais là c'est forcément Ultia Magla parce que je suis arrivé donc du coup storage. Étoile, je t'ai croisé. Moi je me suis dit, est-ce que c'est pas Étoile Kamel qui nous brain? Ensuite je me suis dit, non, ok, Étoile là il est juste en full enquête. À ce moment, juste après le passage d'Electrical, on a croisé Magla qui sortait de Lower Engine. Je suis arrivé à Lower Engine et j'avoue que c'était ma dernière quête et j'ai hésité. Qu'est-ce que t'as vu, Domi? Est-ce que j'essaye de juste faire ma quête pour tenter d'avoir le point ou je reporte? Et j'ai pas reporté et il y a Étoile qui reste. Il reste 40 secondes, qu'est-ce que t'as vu exactement? Bah, c'est Magla, donc je pense que c'est Ultia Magla. Pourquoi c'est moi? Mais j'ai rien fait. Que c'était une erreur, il y a eu trop de kills pour qu'il reste qu'une seule personne. Le mort, il était où exactement? Il était Lower Engine. Ok. Ouais. Les Lower Engine, et je pense que du coup on a fait l'erreur sur Locke. Et ce qui s'est passé, c'est juste Ultia Magla ont réussi à nous brain. Elles ont fait qu'un seul kill le tour d'avant. Là, il y a Ponce. Qui, MV. Domi, qui tu as vu rentrer à Lower Engine? J'ai vu sortir. J'ai vu sortir Magla avec Étoile. Mais j'étais au cam, j'ai rien vu. Je suis descendu, je suis allé à admin pour voir le nombre de personnes parce que je croisais personne. Non, non. Kamel, tu votes quoi? Domi, tu votes quoi? SCPA fait une masterclass parce qu'il était sur le coin. Moi, j'ai voté PA. Non, c'est. Allez. J'ai entendu toi. T'inquiète, c'était pour avoir les deux. Let's go! Oh, Alexis, parce que juste après on va avoir un mini débrief avec eux. C'est vrai qu'on était en train de débattre sur qui était nos MVP. Kameto vient de rentrer dans l'MVP juste avec ce move. Hein. C'est sûr et certain. C'était un très joli move. Tu vas pas appuyer sur le bouton, toi? Hein, et toi, tu vas pas appuyer sur le bouton? Tu vas pas appuyer sur le bouton? Je l'avais pas vu. Elle troll parce qu'Étoile est mort, elle dit tu vas pas appuyer sur le bouton Étoile. Ah non, ils arrivent. Attends, j'aurais dû fermer la porte de storage dans un premier temps, je pense. Je suis d'accord. Elle a été vue là, non? Là, faut qu'elle buzz, Mais non, elle se barre. Oh, on a un petit problème. Quoi? Merde. Alors, on a même. On va pouvoir peut-être revenir sur nous. Avant qu'on truc, tu vois. Ah, bien vu. Bah, du coup, Ultia.
On a perdu la POV d'Ultia. Et pourquoi moi? Bah, quand même, là, franchement. Ah, quand même, franchement. Sauf si Kamel veut un peu plus de contenu, ça, je reviens quand même, mais on peut. Désolé pour le micro, quoi. Ça fait hyper plaisir. MG Kamel. Ouais. Oh là là. Oh. Kamel, mais Kamel, ton après, brain. C'est sûr. En fait, les gars, c'était sûr que si c'était pas Locke, c'était les deux, en fait. Et par contre, mais c'est ça, hein. Les gars, on a remake ça. Mais non, j'avais pas voté en vocal, du coup. Je t'ai pas voté Locke, hein. Je t'ai pas voté, j'ai voté moi non plus, j'ai pas voté Locke, hein. Donc j'ai pas pris moins 1, perso. Ah, j'avais pris moins 1. Me mettez pas moins 1, non plus. Et voilà, du coup, messieurs, fin de la première map.